Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici la marmotte, elle est là, elle est grande, elle est belle, et c'est la meilleure des marmottes. Voleur, plaie de roi aujourd'hui, archétype fort sympathique, agréable, qui s'en sort mal contre aggro, mais bien contre midrange et contre contrôle, autre côté K, et qui était un tout petit peu modifié avec la nouvelle extension. C'est la version de qui déjà? Je sais même plus sa version de qui. Sa version d'un mec balèze qui fait top 5 légendes avec sur NA, qui s'appelle Elfandor d'ailleurs. Donc dans le jeu on a rajouté quoi? Les petits toxicologues, plus 1 d'attaque avec l'arme, et la petite invocatrice ricanante pour mieux survivre. En dehors de ça, c'est du cri classique, on veut les doubles poisons sangsues pour sangsuifier l'adversaire. Le Vertepeau, Ménestrel et Tutti Quanti, Valyra Lexang et Captain Vertepeau sont les deux légendaires de jeu. Si vous ne les avez pas, tout simplement mettez le bon vieux boucanier pour avoir plus de boost d'armes. En dehors de ça, ben c'est un jeu qui n'est pas si cher que ça en légendaire. C'est parti, Zana Power! Et on a tout relancé. Karl Joudouid, on voulait soit des trucs qui brisent, soit l'arme, soit quelque chose comme ça. Et nous n'avons rien eu de ce qu'on désirait. Nous avons un boomerang damné, qui est bien, mais ce jeu voleur, il est dépendant d'une carte. La plaie des rois, et là, il n'y a pas trop de plaie des rois. Plaie des rois, c'est pas ça, à l'assaut! Parce que bah, on n'aura rien à faire au prochain tour. Donc on va assoifier l'adversaire, on va assoiser l'adversaire, on va essayer de le violenter. Comme ça, caméra. Oh, la croissance du T2. Ah! Alors ça c'est une excellente, vraie bonne carte, car en fait ça permet tout simplement de faire prépa sprint dès le prochain tour. Et un petit peu essayer de se donner de. Pas un second souffle, mais un premier souffle, car là, même le second souffle, ben, on n'a même pas eu le premier. Ils sont pas du rêve. Ouais. Et se nourrir. Un autre monde. Trouve qui brille. Vertepeau. Ouais, les face. On va les face, car on sait qu'au prochain tour, on pourra tranquillement faire trouve qui brille, arme et toxicologue. Tout ça pour ce tour aussi pouvoir faire poison et vilpine. Venu le temps des bons jeux vidéo. Trouve qui brille. En fait, en faisant ça, on gagne un tour, j'imagine. Quel calvaire n'empêche. Tyroaluche quand t'as 5 mana. Mais OKLM, c'est. Voilà quoi, Zana Power là, il rigole zéro. Forcément, il est là, il est grand, il est beau, il est dans le tour. Pas comme si on avait vraiment le choix. On a le droit quand même à notre poison mortel, à notre vilpine là-dessus, et d'aller 6 face. En attendant de pouvoir faire beaucoup mieux, donc j'imagine que c'est un truc qui est très druide relou, genre taunt, tout ça, la magie du taunt, le plaisir du taunt, c'est ça, c'est le plaisir du taunt. Allez, on va pouvoir réenchaîner de notre côté, on va pouvoir mettre cette fois-ci le toxicologue. Au moins on continue à rentrer des points. Dans le monsieur en face, on rentre des points, on a Vertepeau, Trade, Boomerang, on est à 4 au niveau de l'arme pour l'instant. C'est ça. Ça pue la meilleure draw? Pas du tout. Le sable de la marmotte, incroyable, et non. Pas de sable, du coup on est sur un plan. Captain Vertepeau, Trade, Kenyé. Hein. Ben, de toute façon, on est pour aller tout droit le plus vite possible. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Sur Adronox à Clim, on priera pour piocher la disparition. Sinon, on aura perdu la partie. Ça rentre sur un balayage. Ouais. Il a de la mana, il se soigne. Passez de mana pour l'Extraza par contre monsieur, vous êtes grillé sur l'Extraza, ça ne passe pas monsieur l'Extraza. L'Extraza c'est foutu. Ok, voilà le mortel.
et un branchement moult points de vie. C'est ça, il tempo à balle. Il a raison de tempo à balle, hein. On va se mentir. Nous on est sur notre poison, notre ménestrel, toxicologue, encore un ménestrel, pas très très utile ici, alors que ça, ça rentre des petites choses. On va le conserver, car on a des plans traits, trouve qui brille, des luchetac, on a des semi-plans. On a toujours remis un vrai bord, on a toujours disparition qui nous fait gagner. Clair enthousiaste, c'est un peu en mode I'm a survivor. Plus envahissante, il joue pas. Ah ouais. Ah, il nous a caché ça, le coquin. Il est à 8. Eh ben écoutez, on peut le dire le déluge. Je vous concède la vie. Et c'était gagné. 3-6-8. On a les Tool Face. Et du coup, 1-0. On a réussi à bourrer Zana Power qui avait l'air de jouer Big Druid malgré un Roi Lich au T4. Un petit peu violent. Et on joue contre Okusai, le chaman. On va relancer tout. Car à nouveau, Okusai, on ne sait pas s'il joue Carniflore ou autre chose. Et on va un trouve qui brille. On a le petit sprint. Il manque la prep pour l'avec. Et. Bah, ça joue Carniflore ou quelque chose dans le style. Bah, si ça joue Carniflore ou autre, élémentaire, ça va, on peut gagner la value. C'est un bon matchup. Si je joue par contre Carniflore, la version ultra combo que tout le monde connaît, il va falloir essayer de le prendre de vitesse. Si je joue version tempo Carniflore. Vous le certainement. C'est beaucoup plus tranquille. Bon, ça, c'est. Tous les carnifleurs jouent ça, donc c'est pas trop une indication. Ça, par contre, c'est une indication qu'on peut aller mettre déjà 3 points de dégâts. Mais par contre, si l'indication qu'on prend qu'est cette T2, c'est toujours relou pour les enjeux de sérénité et tout le reste. Puis au coup, ça, il faut vous taire. Le limon ? Pas de limon. Oh, verte peau sera nice. On prep sprint, ménestrel, éventail, couteau, poisson, fourbrang. Mais fin de tour. Une verte peau, donc on attend d'avoir le verte peau, bien sûr. Ouais. Ah, moi c'est ce qui joue. Et donc du coup, il n'y aura pas le choix, faudra. Maintenant qu'on sait ce qui joue. On n'a plus le choix, il va falloir bourrer et prier d'avoir un peu une RNG positive. Toxicologue sera très bien remonté aussi, pas besoin de vouloir s'enjailler, on va laisser à 5-4. Car qui dit orientaire dit carniflore et dit qu'on doit aller tout droit. Il va me jouer l'air bon. Ah, il gèle, heureusement, pas en boucle. Ah, on a ça, on a ça. On a le verte peau qui descend et qui revient. Voilà. Tout, 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 tout. Allez. On va se prendre le limon à un moment ou un autre. Hein. J'en ai bien peur. Après, l'avantage, c'est qu'il n'a pas beaucoup pioché. C'est le vrai avantage. Oui. Oh, disparition, c'est pas ouf ici. Par contre, on peut déluge. Après, c'est si on déluge qu'on va chercher et tout. Après, on aura du mal à retrouver l'arme. Quoi qu'on aura un sprint. Ouais, je pense que c'est le mieux quand même. On va déluge. Ici, c'est pas un match-up où on peut prendre vraiment. Pas un match-up on peut se permettre d'avoir le temps de prendre le temps. C'est un match-up on doit bourrer le carniflore pour forcer à faire rater la combo, ce genre de choses. Donc on est obligé d'aller tout droit et prier que ça passe, qu'il n'ait pas les bonnes réponses au moment opportun. Il a 7 mana, double vue. Il accélère un peu son jeu. La pièce, 5 mana, ricaneuse. Volcan. J'imagine que c'est un. Oh le limon glout. Oh la petite chatte. Oh la petite chatasse, on n'a plus le choix nous. Travail terminé. C'est pas ce qu'on voulait. Il fallait qu'on prenne le risque pour avoir absolument le plus vite possible le.
La bonne réponse, on l'a pas eu. Il se soigne en plus. Voilà. Tant qu'il n'a pas beaucoup pioché, ça peut le faire. Faut juste pas qu'on perde plus de rois là-dessus. On perd un vieux ménestrel. Le ménestrel, on s'en fout complètement. On fait du coup encore des créatures dans le jeu. Je pense pas, on va le jouer. Je pense qu'on n'a qu'une créature dans le jeu. C'est ça, que le toxicologue là. Oh merde, reste une vilpine. Ah. Puis on prend tous les risques, hein. Faut qu'on perde ni Valyra ni la plaie des rois. Sinon, la game sera loose. Bon. 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 Déformer les arbres, souiller les eaux du monde et maudissez ces terres. Et le boomerang. Le boomerang, on s'en fout. Il y a eu Agatha. On s'en fout d'un petit peu Agatha. On va mettre une vilpine. À l'assaut. Voilà, on a Valyra l'exangue. On a notre arme là-dessus. Et c'est un peu la PLS. Bon. Allez. Voilà qui me laisse perplexe. Joseph. Total. T'as ce petit limon de la droite sur W quand même. Le chat. Quand même le chat. Ah, toujours pas. Ah, ouh. Ah, là existe. Allez, on s'en fout, on va refaire ça. On n'a pas le choix. On peut monter l'arme très haut avec Valyra et la plaie des armes. À voir à nouveau ce qu'on pourra faire. Disparition pour monter nos créatures en plus pour les booster. Enfin bref. Tout ça, il faut connaître la plaie des rois. Sachant que si ça combatte avec Carniflore, il pourra remonter en tout anti-limon. À la fin, on aura les. Allez. Ah, j'ai une chance sur 4 one time. Juste poser une toxicologue pour être une présence. Regardez le reste, on va attendre d'avoir Valyra pour le pour la potion. J'aurais pu mettre une poison sensue aussi, hein, pour regarder passer à 30 points de vie. Parce que je pense pas que ça change grand chose dans le match-up. Avec Simana Stourcy, il a plus de limon. Hein, on rigole, mais il a plus de limon. Voilà. La prep, non, poison sensue. On rentre vite. De toute façon, on pouvait pas se setup le prochain tour, même en mettant 9 ici. On le passe à 14, il reste une plie et beaucoup de cartes en main. Il reste Valyra dans les deux cartes. Allez! Do it! Fac de Manon, Nosef. Et la grenouille. C'est ça, c'est bien tous les heals dont je vous parlais. Qu'il a le coquinou. Ah, Valyra quand même. Donc, on a le droit au les face. On a le droit au boomerang d'année. Alexandre. Vous n'échapperez pas à l'ombre de la mort. On va avoir le droit à mettre des grandes plaies des rois poison poison. Pas compromis malheureusement. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà qui me laisse perplexe. Ouais, moi aussi je suis perplexe. Complètement perplexe. D'une perplexité biblique. I like it. Voilà qui me laisse perplexe. Voilà
Voilà qui me perplexe. Voilà qui me perplexe. Voilà qui me perplexe. Le mec, c'est bon, il est au bout de sa vie. Là, il est là. Oh, qu'est-ce que je dois faire? C'est trop chaud. Oh mon dieu, mon carniflore, comment faire? Zola, est-ce que je dois jouer Zola à poil? Quel groupe hein. Bien fait pour toi. Allez. Et la fin de tour. Bon, bah tout va jouer sur un fizzle. Le fizzle du carniflore. J'en ai bien peur que tout joue là-dessus. La voie à suivre n'est pas claire. Alors on se fait chier. Alors on se fait chier. Ah, le trait des prix. Très bien. Là, très bien. On peut dispar. Non, faut même. Non, si on triple sap, ça fait quoi? Ça fait un sap. Deux sap. Trois sap. Une mort silencieuse. Une mort silencieuse. Toi, t'as un truc. Hein. On ne perd pas Carniflore. Malheureusement. Je me demande s'il va refull face ou faire autre chose. S'il fait juste Carniflore. Combien de il refait enchaîner. Combien de temps ça va durer? Combien de enchaîner. Combien de temps ça va durer? Là notre plan il fonctionne. Notre plan c'est toxicologue, toxicologue. Prep, disparition, on a l'étal. Oh, 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 ça passe. Oh, ça passe. Le plan, c'est toxicologue. Toxicologue. C'est lui. Prep. Disparition. Oh, toxicologue. Et le létal, oh, le BG, la marmotte pour le plan. T'es fait plaisir. Je suis persuadé qu'il avait un éclat, quelque chose à faire en main. Et toxicologue, la puissance de Valyra l'exin. Et le triple toxicologue du dernier tour. Je pense qu'il ne voyait pas du tout venir le plan là, toxicologue, machin, il n'avait pas calculé. Qu'il restait un. Et ça passe propre. Bien. Ah, on aime. On aime, on aime, on aime. Allez, Malofion. Oui, hurlorage. Je dois protéger la magie. Ah, la potion saint, si. On va tout enlever à nouveau, car pour gagner cette partie, on a besoin d'une seule unique carte. La plaie d'ombre. Toxicologue, menstrual, tac, tac. C'est pas mal, c'est mon début, c'est mon start. On a T1, T2, T3, not so bad. On va dire bonjour parce qu'on est un mec poli. Et où aller à la plaie des rois? La croissance. Alors voilà, hein. Pas d'adversaire, moi aussi. On va les mettre deux, de toute façon, vu qu'on a encore deux troupes qui brillent dans le jeu, qu'on a de fort probable de nous voir un avec pièce menestrelle for next turn. Puis également en cas de limon ou autre.
Oh. Ah, c'est un jeu en vert directement. Surtout aussi parce que le boomerang en vrai. Il fait quoi? Il réfléchit? Innervation? Il joue pas innervation, il peut faire du bouclier lunaire. Oui, je passe son tour. Il a juste oublié d'appuyer sur le bouton fin de tour. Ou alors il a une connexion venue du Néandertal et rien ne fonctionne. Je me demande. Boing. Boing. Allez, est parti. Allez, voilà, ça y est, ça revient. Les mecs, ils ont AFK, direct, comme ça, propre. Oh non, ça ne me plaît pas, je préfère AFK. Le temps n'attend personne. Du travail, encore du travail. Allez. Quel gros coup. Bon. Allons-y. Surtout qu'il est là en fait, il a juste appuyé à la fin de tour. Quel salaud. Ouais, joue. Joue, je te dis. Joue. Oh, il me rend fou. Ben joue. Joue, je te dis. Mais va jouer. Allez, le nourrir. Changeons de ma gueule quand même. Oh, ça y est revenu. Oh, alléluia. Du coup, pièce. Menestrel. Un trouve qui brille. Un dixième trouve qui brille, c'est bien, ça me facilite. On va tout droit, vu qu'on a des trouves qui brillent pour aller. Bah, remettre de quoi mettre la pression. Dans deux tours, on prend infestation. Okay, un branchement. La droite de la carte à un masse. Oui. Ah, ça c'est bien, ça se permet de faire. Trouve qui brille. Qui brille. Plaie des rois. Le poison. Allez, fais ça, mettre. Tada! Bien, on aime. Ah. Ouais. Moi, c'est ce qu'il joue. Ça peut être sympa de faire ceci. Le coup manque d'année. Non, mais ça, c'est quand même attendant. On va refaire des rois à Vilpine pour aller chercher le truc et mettre 3, 6, 7, 8, 9, 10 dès le prochain tour. Ce qui serait pas mal du tout. 16, même point létal. Allez, ça va partir sur une jasse. Pardon. Et un appel du chêne où il n'a plus avoir grand chose à appeler. Ok, on va prendre le plaid des rois dans la gueule. Un autre boomerang, pas très utile, on va faire l'éventail du coup de coûte. Voilà, ça permet de piocher. On va mettre ça, bim, bim, bim. Il a pas de plus envahissant, sinon il l'aurait joué. Voilà, on met l'adversaire à 9, on a un gros board. Il va être le boomerang plus la vilpine, il y a moins d'enlever 2 taunts, je suis pas spécialement inquiet pour contrer El Casa Trofeo. Dronox avec l'immatation, le bail classique. Valira. Sprint et resprint. Ça là. Ça là, la force, la ville peinte, et le compte est bon. Allez, on l'a smorqué, on l'a agressé, on l'a violenté, 3-0 avec ce petit deck
Plaie des âmes fort sympathique. Plaie des rois, pardon, non pas Plaie des âmes fort sympathique, je trouve joué à World of Warcraft. YouTube, des bisous de l'amour. Rendez-vous cette fois-ci mardi, promis, pour une nouvelle vidéo de la marmotte. Au revoir, que la force soit avec vous. Pour l'Alliance.